Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne d'aventures vidéoludiques. J'espère que vous allez bien. Voilà, bah du coup aujourd'hui on continue le Dead Space Remake. Du coup on avait terminé l'épisode 6, on avait libéré le garde-manger du Léviathan là, qui empoisonnait le vaisseau, bon, l'air du vaisseau. Et puis voilà, puis bah, du coup là on va enchaîner. On va continuer avec le chapitre 7. Je sais plus s'il a déjà commencé. Ouais, voilà, s'il a déjà été activé. Du coup, là, il nous manquait juste un truc. Mais du coup, on peut pas l'avoir. C'était par rapport au fait que je rentre dans la pièce là-bas derrière. Avant de créer l'enzyme. Et vu que moi j'ai déjà créé l'enzyme, bah, du coup, on a eu un dialogue. Et pas l'autre, quoi. Donc voilà, bref. Du coup, on va y aller vers la station de tram. Au niveau des objectifs, du coup, ouais, on a faute préméditée que j'avais déjà activée, mais du coup, c'est deux quêtes annexes, il faut d'abord avoir accès à la zone de forage. On verra ça tout à l'heure. Bah voilà, un peu de munitions, c'est un plaisir. Ça mène où là-bas du coup? C'est là où il faut aller. Opération de forage. Je regardais un truc sur la carte. Mais en fait, on est dans quelle zone là? Ah, on est bien dans... Ah bah non, ça a changé. En m'approchant, ça a changé. Marqué culture hors sol. Ouais, en fait, je pense que c'est parce que. Bah non, c'est bien le pont d'ingénierie. J'ai déjà exploré ici. Ah oui, on a déjà exploré. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, c'est le fait qu'on est ouvert de l'autre côté, là, ça me donne accès. Ah oui, voilà. Là-bas, c'est le pont d'ingénierie et là, c'est le pont de forage. Donc, par là qu'on doit aller. Le système du pont de forage déraille. Génial. Je m'occupe des ascenseurs. Sauriez-vous trouver la balise de détresse de Temple? Je vais dans la salle de contrôle de forage. Les tubes de lancement devraient nous permettre d'envoyer une balise. Il y a quelqu'un? Amande? Où êtes-vous? Dans le conduit, en espérant qu'ils m'entendent pas. Ces choses sont partout. Non, les humanitologues. Ils sont tous ici sur le banc d'équipage, ils sont ouvriers. J'en ai vu une planter un couteau dans la tête d'un autre qui est resté là, le sourire aux lèvres. Attendez, il dirige quelque part. Amande! Merde. J'ai perdu son signal. Il faut trouver cette balise, Isaac. Et vite. Faire bouger.
Oh, il y a quelque chose près de toi. Une pièce verrouillée. Un genre de verrouillage fait maison. Les mineurs ont mis du joli matériel sous clé. Dommage, j'aurais pu l'utiliser. Tu pourras, si on trouve les codes rig. Le rig du capitaine ne suffira pas ? Non, ce verrouillage est personnalisé, mais je pourrais utiliser les codes du capitaine pour créer un archétype de passe-partout. T'as pas trouvé le rig d'un gradé ? Encore quelques autres et ça devrait marcher. Ok, l'archétype est prêt. Trouve les rigs, télécharge leurs codes dans une console de la passerelle et ça créera un passe-partout. Voilà, du coup là on a activé une quête. Voilà, on a une nouvelle quête qui vient d'apparaître, autorisation requise. Et en fait bah, c'est trouver les rigs justement, on en a déjà trouvé quelques-uns. Ils sont dans les objets clés. Le rig du capitaine, celui de Holt, celui de Volker et celui de White. Et du coup il nous en manque encore 4 à trouver. Sachant que ceux-là on peut les trouver. Et les deux autres ils sont cachés pour l'instant. Bon ils sont pas accessibles. Et du coup comment dire, en fait c'est ça dans la salle de commandement là du capitaine où on avait retrouvé l'autre. Il y avait une console, je sais pas si vous en rappelez, j'avais dit que je devais pas interagir avec, c'était pour justement recevoir le message qu'on vient de recevoir. Si on interagissait avec à ce moment-là, en fait, ben on n'avait pas ce message. Parce qu'on brûlait une étape, en fait. Donc, voilà. Mais bref, de toute façon, on peut pas encore tout récupérer pour l'instant. On va faire ça plus tard. Mission secondaire débloquée. Objectif mise à jour. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Habilitation de sécurité de niveau 3 requise. Ouais, je vais quand même regarder entre les trucs. Plaisir de récupérer des munitions de cutter plasma. Alors, on a un point. Et la tenue, ben on a quasiment tout. On va augmenter la zone de la stase. Ouais, ça peut être utile quand on se retrouve face à, on a des groupes d'infecter là, tous les mettre en stade. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Ces capacités, on s'en fout un peu. Découpeur, c'est pareil. Lance-flamme. Le PK, on peut prendre à la limite. De rechargement. Alors, voyons voir la boutique. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Peut-être changer les armes. On a pas mal de munitions pour le cutter plasma. Je vais peut-être poser le trancheur. Je sais pas trop. Non, peut-être plutôt lui. Thank you.
peu limite au niveau des lames de découpeur. On n'est pas en stock. Non. Non, 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 je n'en ai pas. Ouais, allez, regarde ce qu'on a. Et les petites saves. Bien un cri. Pas utilisé. Thank you.
prendre la caisse ou pas? Sécurité retrouvée. Allô, la sécurité. On a un taré du nom de Harris qui se sert dans le dépôt de minerais. Le docteur Mercer m'a envoyé chercher de l'osmium pour terminer son travail. Je me fiche de savoir si c'est Dieu Tout-Puissant qui t'a envoyé. Si tu te sers dans les profits de la CEC, c'est sur nous que ça retombe. Dieu? Alors, soit tu reposes cet osmium tout de suite, soit je te pète le bras. J'ai travaillé avec des gens comme vous sur Aegis 7. Ils me volaient mes points de force. Et me laisser creuser sans lumière. Hé hey, lâche-moi! Mais quand ils m'ont abandonné dans le noir, je n'étais pas seul. Le monolithe m'a révélé ses secrets. Maintenant, je les comprends. Vous voulez l'entendre? Alerte! Le personnel non formé n'est pas autorisé à utiliser la station d'habillage. Non, non! Arrête! Pitié! Moi aussi, je les ai suppliés quand ils m'ont enfermé. J'ai aussi crié. Je promets que je ne rirai pas comme eux. Alerte. Station d'habillage obstruée. Vous pouvez subir de graves blessures. Oh, putain ! Sympa. Rapport d'incident envoyé à la passerelle par Dr Nicole Brennan. Voir l'activité de Rig liée. Voilà, fouiller le dépôt de minerais. C'est pour les rapports sur la passerelle. Du coup, ça, c'était l'un des objectifs à remplir. Voilà, c'était faute préméditée. Du coup, on a fait avancer cette quête. Il faudra aller trouver le rapport sur la passerelle. Ouais, du coup je garde ma thune parce que on va peut-être trouver encore une amélioration d'armure.
Alors, journal de mineur, journal du pont de forage, G. Croods, opérateur d'extraction. Entrée numéro 1. Périmètre du pont inférieur sécurisé. EEI, cutter plasma, fil de détente, charge topographique. Trois sont blessés et Lingen est hors de combat. Elle est à court de médicaments. Le reste des ressources, munitions, nourriture, eau et carburant des propulseurs tient le coup. Or matériel nécessaire à la balise de détresse. Deuxième entrée, accès externe câblé. Toutes les zones de forage sont connectées. Lingen est inconsciente, on ne peut rien faire. Troisième entrée, ils sont passés par l'aération du sol. Un de ces enfoirés volants est allé droit vers le corps de Lingen et on a fini par devoir en éclater 6 au lieu de 5. On les a découpés et envoyés dans les fonderies pour une crémation rapide. Autant assurer nos arrières. Entrée numéro 4, les charges topographiques ont été lâchées trop vite. On a perdu Schlingel, Fick et Zichtl. Je n'avais jamais vu l'intérieur d'une tête et je les ai emmenés à la fonderie pour les incinérer et ensuite approvisionner l'inventaire. Je n'arrive pas à dormir. Numéro 5, c'est trop dangereux ici. J'ai mis de l'équipement dans un endroit plus sûr. Max Winney m'a suivi et en me traitant d'égoïste. Moi, c'est lui qui a amené ces choses droit sur moi. Mise à jour, je me suis occupé de Max Winney. On a fait un tour à la fonderie, je n'arrive pas à dormir. Entrée numéro 6, je n'arrive pas à dormir. J'ai froid, j'entends les autres crier. Je vais mourir à cause d'eux. Mise à jour, Lingen a raison. J'ai besoin de paix et de calme. Et les fonderies ont besoin de carburant. Ouais, qui s'est jeté dans la fonderie. Je crois pas que j'ai d'autres points de force. Salle de contrôle de forage. Là-bas, c'est fermé de toute façon. Vers la zone de forage. Ouais, il va falloir peut-être déverrouiller de l'autre côté. J'ai sauvegardé juste avant d'avoir perdu un peu de vie. En plus, j'avais fait exprès de reprendre le lance-flamme au cas où si je rencontrais ces saloperies. Alors, un nouveau petit collectible.
Progression du forage. Journal du pont de forage à Dallas, responsable. Aujourd'hui a eu lieu le démantèlement planétaire d'Aegis 7. Il semble y avoir eu des problèmes au niveau de la planète et nous avons temporairement perdu le contact avec la colonie. Mais les attaches sont stables, avec un couple dans les paramètres acceptables. Le premier morceau de roche 010032 a été extrait de la charge tectonique, emplacement EQL5, environ une heure après le démantèlement de la planète. Il a été traité, raffiné et fondu pour échantillonnage. Les résultats ont dépassé les estimations initiales, les plus optimistes. La récupération normale est d'environ 35% de minerais, 5% de fossiles et 60% de déchets, mais les matériaux provenant du premier morceau étaient à 65% de minerais et 0% de fossiles conformément à nos attentes. Ça fait 6,5 tonnes de minerais provenant d'une boule de 10 tonnes. La production complète est en cours et se concentre sur EQL5. En supposant que ce ne soit pas une anomalie, on a touché une veine principale. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par là ? Ah oui, voilà, en face on voit le minerai en fait. Il a été récupéré, là il est en train d'être... en extrait des morceaux en fait. Statut de la tâche de l'astéroïde, attache 1 extérieure, attache 2 extérieure, attache 1 intérieure. Des sous-sous. Y a rien d'autre. Si là y a un peu de thune encore. Alors, tube de lancement. Changer la balise. Lancement verrouillé. Veuillez contacter le responsable d'Alas pour obtenir une autorisation. J'ai enfin réussi à accéder au système du pont de forage. Tu vois la balise de détresse ? Non, et les tubes de lancement sont verrouillés. J'ai besoin du rig d'un administrateur du pont pour les ouvrir. L'administrateur du pont est le responsable d'Alas. Il est sur le pont inférieur de traitement. Je détecte aussi le rig d'un certain Jacob Temple, sur le pont inférieur de maintenance. Peut-être qu'il a laissé la balise de détresse là-bas. J'espère que ces dysfonctionnements t'empêcheront pas d'y arriver. Ce sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des pièges. Les mineurs ont essayé de se défendre. Merde. Bon, je vais déverrouiller les ponts inférieurs. Assure-toi juste que la balise n'est connectée à rien. Très rassurant d'entendre des bruits pareils. Allez, direction le pont de B. C'est Jacob. J'ai pas réussi à te joindre. Si tu trouves ce message, je suis plus sur le pont, mais je reviendrai vite. J'ai reçu l'appel d'un autre survivant, il avait l'air terrifié. Je vais boucler la balise de détresse et aller le chercher. On a le temps avant la fenêtre de lancement, de toute façon. Et il a l'air de valoir le risque. C'est un médecin du nom de Mercer, je crois. J'espère
que ce sera bientôt terminé. Je t'aime. Fais attention à toi, s'il te plaît. Ouais, faut faire gaffe, il y a des nécromorphes dans le coin. Pas trop la musique là, ça ne me rassure pas. De détruire la tête comme ça, il pourra plus se faire réanimer. De stase, je les avais pas vus. Marrant parce qu'en fait la forme on dirait une grosse bougie, une bougie de véhicule quoi. Voilà, alors là, il y a un point de sauvegarde. Là, il y a un message. Demande de sécurité retrouvée. Ici Dallas, équipe de sécurité, sur le pont de forage. Kyle a pété un plomb. Revenez, je sais m'en servir. Il passera pour le restant de ses jours si vous ne donnez pas les codes de la zone de chargement. Ici, c'est la zone de traitement. Pourquoi on aurait les codes de la zone de chargement? Je dois atteindre le monolithe. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donnez-moi les codes. Mon Dieu, c'est ça que vous avez fait au capitaine? Non, non, Bane était un accident. Je vous interdis de me comparer à quelqu'un comme Mercer. J'essaie de vous sauver. Le monolithe est notre seul espoir. Laissez-le partir. Il est armé. Où est la sécurité, putain? Alors...
plan énergie laser. Comme dit ça, on va continuer. Juste résistance. Voilà, comme ça maintenant on peut acheter aussi des énergies laser.
encore un. C'est bon, je les ai calmés. Bien dégoûté, j'avais préparé la bonbonne de gaz pour le balancer sur un ennemi. L'endroit où je l'ai lancé, comme par hasard, il a fallu que ça touche le rebord au-dessus. Et du coup, ça m'a mis trop cher. Magnifique. Ouais, dégoûté, hein. Du coup ça m'a fait utiliser des munitions pour rien et puis perdre de la vie aussi. Voilà, brique de Dallas. Ah yes. Dallas, dernière entrée du journal. J'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas quitter le pont inférieur, mais je suis coincé aussi. J'ai vu ce qu'ils infligent à ces corps, ce qu'ils deviennent. Et je refuse que ça m'arrive. Au moins, si je n'ai plus de membres,
Je ne pourrai tuer personne quand je serai infecté. Habilitation confirmée. Dites. À Dawn. À mes enfants. Que je les aime. Donc l'autre il a décidé de se couper les membres pour... L'administrateur a changé de position, tu l'as trouvé? Je l'ai. Je vais voir s'il y a la balise de Temple sur le pont inférieur de maintenance. Ouais, il s'est coupé les membres pour pas être réincarné là en bestiole dégueulasse. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Ah bah là, des munitions un peu. Un semi-conducteur or. Ouais, j'ai dépensé toutes mes munitions de... Le signal d'amende. Trouve-moi cette balise de détresse. Je vais me tirer de ce putain de vaisseau. Tu m'étonnes. Donc on a tous envie de se barrer de ce vaisseau.
Ces trucs. C'est bien ramé d'un coup. Journal retrouvé. Alors enregistre. Ça va pas changer grand chose. Terence, je sais que le monolithe est responsable de l'épidémie. J'ai besoin de comprendre pourquoi. C'est son signal. Lorsqu'il pulse, il peut modifier un code génétique. Une structure neuronale même. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Mais comment peut-on l'arrêter? Demande à Mercer. Il a enfermé toutes ses recherches sur le monolithe dans sa chambre sur le pont d'équipage. Non, non. Comment ça enfermé? Tu sais comment? S'il te plaît, j'ai besoin des données de Mercer. Non, il va te tuer. Je refuse d'avoir d'autres morts sur la conscience. Après la mort d'Amelia, l'immunologie était tout ce qui me restait. Regarde où on en est. Je veux dire que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Rappelle-toi que nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Tu aimais Amelia. Tout autant que j'aime Isaac, mais si je ne trouve pas de remède, je ne le reverrai jamais. Je t'en prie, aide-moi. 39277. Ce code devrait pouvoir t'aider à rentrer dans la chambre de Mercer. Ce code devrait encore marcher. Merci. Tiens. Je préfère que tu gardes ça. Docteur Brennan. Nicole. La mort était la seule chose que craignait Mercer. Maintenant, je redoute que plus rien ne l'effraie. Voilà. On a trouvé la planque de Keen. On a récupéré de nouvelles infos pour la quête secondaire. Aussi, ça en fait partout. Nicole? Oh non, on m'en veut pas, Isaac. C'est le décalage horaire. Je te rappellerai. Non, t'inquiète, ça va. Comment tu vas? Bien. T'avais raison, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Alors profite-en bien. Je vais te remplacer l'année prochaine. Isaac? Pourquoi? Pour m'avoir poussé à le faire. Je veux dire que sans toi, je ne serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Je crois que nous allons être hors de temps pour ce relais. Isaac? Nicky? Isaac, tu me reçois? Nicole? Je te veux contacter, d'accord? Nicole, Nick, tu m'entends?
Allô, Nicky? Génial. Bien là, Nicole. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que tu sois là. Je pensais plus jamais te revoir. Je vais nous faire sortir d'ici. Il y a une balise de détresse pas loin. On va pouvoir demander de l'aide. La balise? Oui. Ils l'ont enfermée dans l'atelier, mais on pourra entrer avec mes autorisations. Par là. Compte sur nous. Maintenance un peu partout. Je te rattraperai. Si t'en vois d'autres, tu te planques, ok? Je t'aime, Isaac. Je te le promets, tu vas y arriver. Et ne faisons plus qu'un. Ah yes.
C'est normalement le plan pour une nouvelle armure. Il y avait pas un truc là-haut. Voilà, sur la balise. Jack, j'ai perdu le signal de ton rig, comme pour Amon. Je vais bien. J'ai trouvé la balise de détresse. Nicole m'a aidé. Nicole est là ? On a été séparés, mais elle va trouver un moyen de revenir. Elle en a de la ressource, hein ? Je retourne vers la salle de contrôle de forage pour envoyer la balise. Guette l'arrivée de Nicole. En espérant que le système ne foire pas à nouveau. Fais gaffe à toi. Ce titre qui a bugué. Ça aussi, c'est un truc que j'avais oublié en fait quand on récupère les tentacules là, les griffes pardon, des ennemis. On peut les utiliser en fait pour. On est où là ? On peut les utiliser en fait pour les lancer sur les ennemis et les empaler avec. Mais c'est là où était Nicole en fait. Dessus encore.
sortie d'une zone en zéro gravité. Yes, faire une amélioration d'armes. Amélioration du lance-flamme. Erreur de carburant macrolite. Voilà, parfait. On a fini de fouiller ici. Et en zéro gravité. Soigner. Et là, du coup, je vais acheter la nouvelle tenue. Alerte, panne d'alimentation. La caisse. Alimentation rétablie.
Il y avait quoi là-bas déjà? S'il n'y avait pas des trucs de niveau 3 déjà. Que dalle. Alors, on va racheter une nouvelle tenue. Yes, tenue de niveau 4. Hop, 25 000. Voilà pourquoi je gardais la thune. D'armure. Voilà, du coup ça recharge pas la vie, il aurait bien fallu l'utiliser. Voilà, on a augmenté la taille de l'inventaire aussi. Sur nous du coup. La taille que j'ai dans l'inventaire. Merde, je suis en train de les vendre. Je les fous dans l'inventaire, je les ai revendus comme un coup. Attendu pour la tenue et l'amélioration pour le lance-flamme. Alors ça c'est quoi, dégâts de lancer télékinésie, durée de la stase, énergie de la stase et PV. C'est bizarre, on a le SP3 mais j'ai pas le SP2. Ça fait que j'ai pas la partie en bas là. Ouais, j'espère que j'ai pas loupé un truc. Ouais, c'est bizarre qu'on ait pas le SP2. J'ai pas fait le boulet en revendant une amélioration. Qu'est-ce qu'on peut prendre du coup comme amélioration? Peut-être booster la tenue. Yeah.
Habilitation confirmée. Envoyer la truc. Ah, c'était où qu'il y avait des caisses? Habilitation confirmée. Bouge.
munitions. Bon, on va essayer de se battre avec le découpeur du coup. Débarrasser des corps parce que je sais pas s'il va pas avoir des bestioles encore pour les transformer. Faire gaffe à ces espèces de griffes là qui tournent autour de notre truc. Passer là, en repartir dans l'autre sens.
Attache gravitationnelle décrochée. Il y a des ennemis, mais je vais les laisser. Alerte. Le chargement 8772 n'est plus attaché. Le personnel non entraîné est prié de quitter la zone minière. Ils bougent plus les griffes, là. Sortie d'une zone d'intrusion. Les bébés m'ont pas suivi. Bon là non, il ne reste plus qu'à mettre la balise dessus. Je ne fais plus de ça.
Voilà, comme ça, ça a dû vider un peu mon inventaire. Ça, on va le poser. À la fin de l'épisode. Bah. Qu'est-ce déjà? Il y a à nouveau un truc textuel ici. Elle est bien récupérée la dernière fois, non? On a le de mineur. Bah, bien sûr qu'on l'avait récupéré. Pourquoi ça l'avait pas ramassé? J'ai l'impression que Jules a oublié qu'on l'a récupéré. On l'a pas supprimé de la liste. Bah la tenue elle est presque à fond, il y aura juste la zone de stase. Interplasma. Acheter la durée. Ouais, je me demande bien où elle est cette amélioration. Mais attendez, je regarde vite fait. Plus tard l'amélioration. Elle est plus tard, c'est pour ça qu'on l'a pas encore. Ouais, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre du coup? Mon cher, il y a quoi? De rechargement. Peut-être pas trop m'éparpiller, mais bon. Du coup, peut-être que je pense aussi... ouais, je le ferai tout à l'heure, de recharger ma save pour faire partir le bug en bas, le texte qui reste affiché. Quoique, allez, on va le faire tout de suite. Ça me saoule un peu là, ce vieux bug.
Voilà, libérer le chargement. Ça marche. La balise est connectée et diffuse sur une large fréquence. Je vais aligner l'antenne. J'ai besoin d'une minute. Retourne à la station de tram. C'est lui. Encore un rouge là qui est incroyable. Sans communication, on oublie le sauvetage. Prends le tram jusqu'à la passerelle. Je forcerai la porte de la salle des communications. Tu pourras aller voir ce qui cloche avec l'antenne. Et ne t'en fais pas pour Nicole. Comme l'a dit Amanda, elle fera ce qu'il faut. Ça me lâchait, saloperie. J'ai utilisé mes munitions, c'est merde.
confirmé. Yes, voilà. Terminé. Ouais, bon bah voilà, encore un petit épisode de terminé. Du coup, je vais arrêter là pour cette capture. Voilà, histoire comme d'hab de découper en les vidéos en selon les épisodes du jeu. Et puis voilà, puis ceux qui sont encore en live, du coup je vais continuer. Hein, je vais juste faire une petite pause de 5 minutes là. Et puis du coup je reviens derrière pour qu'on continue avec le chapitre, l'épisode numéro 8. Du coup. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, du coup j'espère que cette session vous a plu. Merci de l'avoir suivi, en espérant que vous serez également utile. Et puis voilà, puis bah, du coup on se retrouve demain pour la suite de notre périple. Et bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.